Ah non, j'avais mal lu le nombre maximal, c'est ça, j'en ai bien 10, ok, donc j'avais mal lu, j'étais pas au maximum, c'est le truc maximal. C'est pas, il y a une nuance par contre. Je vais vraiment mourir contre un hérisson, sérieusement. Je refuse. Je viens de voir que j'ai réussi à rater un coffre aussi. Mon aspect aveugle, double halbarde de dame AO plus 7. Oh, ça a l'air vénère ça. Ça a l'air très très vénère. Et évidemment, c'est pas par là. Ça doit être par ici. Ok, ok. Bon alors c'est FR, tu l'as battu ton boss ou pas? C'était toujours là. Ah! D'accord, bon, je vois un peu l'arène finale là-bas. On a un drapeau à droite, je reviens, je vais pisser. Merde. Comment on fait start? Putain. On peut pas toujours mettre pause, j'ai l'impression. 20%, courage. Heureux. Le problème, c'est que si je vais ici... Attendez. Il y a un loot que je rate, là. Ou alors, faut que je le chope d'ailleurs. Parce que là, joueur 4 a commencé une invasion. Ah, voilà. Excellent. Bon. Il est temps de se faire péter l'oignon par un joueur qui va vite me calmer mon moral. Ah, y a un drapeau jaune derrière. Un peu de PVP. Eh, les PNJ voulaient pas... Ah, il est one shot là. Allez, bisous, salut, au revoir, on s'appelle. Ah bah oui, forcément, quand tu vas pas invoquer 26 000 c'est plus simple. Je l'ai tout shot le bordel. Pareil qu'un joueur qui est passé. Bon, alors. Non, mais je suis gogol. Attendez, je suis gogol complet avec cette mission, c'est pas possible. Putain, mais... Bon, écoutez, tant pis, hein. Mais je vais rater un... Ah, Guan Yu. Ouais, mais t'es empoisonné, copain, aussi. Ouais, je comprends. J'ai pas envie de rater un fucking drapeau, pourtant. C'est un gros drapeau jaune, ça m'étonne. Putain, mais le combo contre triangle, attaque sautée, c'est tellement violent en termes de burst de dégâts. Y'a des morts dans le coin. C'est quoi qui t'a tué? Ah! J'ai trouvé! En vrai, bah les couilles, on va se le faire. Viens là, toi. Mais non, mais vous mettez pas devant les gogoles aussi. Sérieusement. Le souci, c'est que ce qui va manquer là, mes bravoures, bah. Attendez, c'est fou ça, cette histoire quand même. Parce que là, ouais, là c'est le boss de fin. Enfin, le boss de fin, encore une fois, quand je dis boss de fin, Black Star, c'est.
Boss de fin de la zone. Ça, c'est sûr. Ce qui est fou, c'est que je trouve pas le passage pour le drapeau qui me manque. Au pire, Osef, hein, mais bon. Si je rate ça, je rate aussi des loots. Et les loots, pas Osef. Le niveau, je m'en fous. Les loots, je m'en fous beaucoup, hein. Je sais pas où c'est, hein. Parce que généralement, avec un drapeau, il y a toujours des trucs stylés, quoi. Passage là. Hop, hop. Ah merde! La plateforme, c'est pas mon truc. Pas doué pour ça. Oh, mes flûtes! C'est peut-être pas au bon endroit, ouais. Genre, c'est comme ça? Attendez. Mais... Mais non. Je commence à me sentir très très bête, hein. Passage ouvert. Ah, le bon endroit. Ok, l'acier de rang 9, très bien. Il n'y a qu'un seul trou dans cette crotte. Ça m'emmerde quand même de ne pas avoir ce dernier feu de camp là. Alors, ça c'est le truc final. On va retourner en arrière. Parce que je le veux et j'ai pas envie de rater un loot skillé. D'avoir raté un drapeau secondaire, je m'en bats les couilles. Un drapeau principal, logiquement, c'est bon. Y'a des gens qui l'ont fait la mission ou pas? Parce que si je trouve pas, je demanderai un backseat. Enfin, qu'ils s'en rappellent surtout. C'est pas très bien formulé, vous l'avez forcément fait. Attends. Oui, oui, ok. Oh là! Ah! Pourquoi? J'ai trouvé. Mais non. Ah oui. Casse-toi le Sonic. C'est bon. Ah, tout va bien. Tout va bien, j'ai trouvé. Bon, par contre, résultat. Et ouais. Ah, je suis fini, hein. Je m'améliore. Bah, bonne nouvelle, c'est que je partais très loin en exploration, donc je peux que m'améliorer. Hein. Faut voir le bon côté des choses. Bon, bah, c'est bon. Maintenant, direction le boss. C'est le truc cool quand tu commences au niveau 0, tu peux que progresser quoi, tu vois. Alors, c'est où le boss déjà? Putain, ah c'est là-bas. C'est par là. Sortilège, tiens, alors apprendre des sortilèges. Je peux toujours... Ah!
si, je peux apprendre les trucs stylés, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. À moi tous les derniers sortilèges. Oh, ça sent le HF, ça. Alors, monstre vainqueur. Ouais, on va voir ça, on va regarder après. J'apprends tous les sortilèges qui me manquent. Le petit HF qui devrait pop, logiquement. Bim. Voilà, mettre les sortilèges. Yes, alors. Bloc coup de poing, vous délivrez un coup de pied, vous permet de délivrer un coup frontal. Inflige des dégâts en pression inverse de passage de points de vie. Oh, c'est dangereux. Permet de charger en avant avec le pouvoir de la phase terre, vous ne perdrez pas d'énergie en chargeant. Ah! What the fuck? Attendez, ça a l'air giga stylé. Hein. Bloc coup de poing, monstre vainqueur. Et à la place de l'essence de pierre, on va mettre le coup de poing pour voir un peu. Ça a l'air très stylé. Hein. Bon, on verra ça. C'est parti pour le boss. J'ai encore un peu d'eau, j'ai encore un peu d'eau. On est là. On est là. On va affronter Liu Bei maintenant, c'est ça, transformé. Oh, il est stylé! Très classe! Oh, il est... Il pète la classe! En mode humanoïde dragon. Très très classe. Je sais pas s'il va être dur, mais en tout cas, il est classe. Wouhou! Oh, yeah! C'est encore par contre un feu. Ah, par contre, là, ce coup-ci, j'ai un stuff anti-foudre. Yes! Au moins, là, j'ai un stuff anti-foudre avec. Ah, j'ai pas Zangfei. Tiens, attendez, on va monter. Renfort, on va prendre les deux frangins. Ah, j'utilise. Tiens, c'est chelou. C'est... Ouais, j'utilise pas de Soul du Tigre. Et on y retourne. Round 2. Fight! Ah bon ? Ah ouais ! Ah mais c'est sympa ça ! Non mais... J'ai pas réussi à lui mettre un coup depuis tout à l'heure quoi. Salopard là. Supportable boss volant. J'ai ma protection, elle ne tuera pas. Enfin, je pense. Ah bon ?
Il met des tatanes, les mecs, c'est... Non, mais c'est n'importe quoi. J'arrive... Oh, il a pas beaucoup de points de vie, j'arrive pas à le toucher, quoi, c'est un peu frustrant. Mais putain. Je n'arrive pas à l'approcher, c'est un délire. C'est un délire, hein. Impossible de l'approcher. Horrible. Je sais. Après, globalement, je vais l'avoir. Il a beaucoup de points de vie, donc je le burst, mais impossible de l'approcher. C'est infernal. Il fait pas beaucoup l'attaque rouge, donc bon. Pas simple, pas simple. Tu lui mets plus de points de vie, il aurait pu devenir vraiment problématique. Hein. Les attaques de foot sont bien en loup. Je sais pas quand je le tape en fait. Je ne sais pas quand le taper. Bon. Ok. Ok, 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 ok. On va juste le bourrer. Hein. On va juste essayer de le bourrer. Hein, parce que la seule fois où je lui ai fait une attaque critique, enfin un contre-critique, il a pris cher. On va juste le bourrer, ce gros con. Hein. Mais... Je sens que ça sent le boss en vrai, que vous avez dû rouler, vous avez dû éclater. Salut Try là. Ah bah tiens, j'avais plein de questions. C'est mon deuxième dur. Ah bah écoute, premier Try, je l'ai mis genre à 10%, c'était ridicule. Je le trouve... En fait, c'est... Il est... Ah mais t'as pas fait les 4 secondaires, toi Damien. Ça, c'est une erreur, ça. Mais c'est que tu connais pas Nioh, toi. Enfin, t'as pas fait Nioh 2, je crois. Je sais plus, parce que les 4 secondaires, faut vraiment les faire dès que tu peux, hein. Non, lui, il est... Enfin, c'est pas qu'il est dur, c'est que je sais pas quand le taper, quoi. Je sais, premier try, je l'ai juste bourré comme un dogol. Ah, si, t'as les 4 secondaires, incroyable, hein. Les 3 connards, ils m'ont fait... Allez, voilà. Voilà. T'as fait les 3 frangins ou pas? Allez, salut. Voilà. Bon. Ah non, mais lui... Boss à la con, on l'a volé partout, on l'éclate et bisous, salut, au revoir. Pas déconner. Loubou, il t'a fallu combien de temps pour le battre? Parce que lui, j'ai trouvé vraiment costaud pour le coup. Il m'a fallu une heure pour le faire. Vraiment dur, hein, Loubou. Mais stylé, Loubou 1, parce que Loubou 2 de Wish, il était nul par contre, la P2 de Loubou, enfin, la P2, deuxième fois qu'on le rencontre, quoi. Et si je sais ouais, Loubou 2, Loubou 2, grosse grosse blague. Loubou 1, par contre, stylé sur 1. Je ne veux pas que tu aies le même temps, mais je veux que tu aies le même temps, le même temps, le même temps,
J'ai bien aimé le boss de foudre aussi. Dommage qu'il n'ait pas plus de points de vie. Celui qui devient notre pote après. Très stylé. Ah bah c'est là où je vais améliorer en fait mon AO, je pense. Et tu joues avec le serment d'un... Enfin, tu joues avec le stuff serment d'un des mecs ou pas du tout? Parce que là, j'ai pu prendre le stuff de Guan Yu, tellement classe avec son glaive. Enfin, son Guan Dao. Guan Dao. Donc là, je devrais avoir mon dragon actuel, mais version améliorée, je crois. C'est une longue... Ils sont tous rangs, hein. Ah, putain. Après, t'as les trucs qui s'appellent les tasses de cordialité. Mais bon, ça, je sais pas si t'as à quel point t'as exploré quand t'as pas fait les secondaires. Ouais, les secondaires sont vraiment bien incorporés hein, dès le premier run. Hein. Après, je sais pas, encore une fois, je sais pas à quel point t'avais. Si t'avais fait Nioh 1 pourtant. Si j'ai vu nos elfes des PNJ. Alors, tu peux avoir leur stuff. Moi, je voulais le sauvegarder, j'ai le stuff de Guan Yu, j'ai son arme et tout. Ça fait un full set et tout, c'est trop stylé. Et il y a des bonus de set. Hein. C'est beaucoup trop bien. Pourquoi je parlais? Trop stylé Guan Yu, bordel. C'est une belle barbe. Tu joues avec quelle arme? Enfin, quel type d'arme? Épée, je suppose. Yes, un Queen Long, ça c'est bien. Cure dans 8, ouais, ok. Alors, t'as vu les nouveautés sur Walsen ou pas? Parce que sur Walsen. Bon, on va pouvoir bientôt le finir aujourd'hui finalement ce jeu. Zhong Mao, 我等的目标很明确. 潜入官渡, 取下那妖道的首级. Oh. 这便是你得出的答案吗? Oh non, il s'est fait. Tu seras bait, tu seras bait. Mais non. Mais ils vont tous mourir. Sun Tse. 继承孙家血脉之人，只要有一人便足矣。 不从者，格杀勿论。 兄长，兄长。 乖乖和老夫合作，还是要不负兄的厚臣。 Sun Tse est mort, Sun Jian est mort. 你会怎么选择呢? 孙权。 Je pensais pas que Yuan Shao deviendrait un connard de traître. Parce qu'il a l'air vraiment de le penser en plus. C'est pas genre il est manipulé. Enfin, peut-être un peu en mode serpent par l'autre connard, mais là on est en mode. On est en mode de traîtrise 3000 quoi. Bon, alors. Montée d'un niveau. Oui!